de Karim Mokedem qui était en bas de tableau avec Sedan hein, au début de la saison. Alors, on va peut-être suivre vraiment ce ballon de Guillaume Kousse hein, avant de finir le point score, parce que Kousse il rentre dans la surface de réparation et la présence dans la surface et l'ouverture du score pour le CS Sedan Ardennes. C'est Mohamed Fadloun qui a la retombée de ce travail individuel magnifique, décisif de Guillaume Kousse, la tête de Fadloun. Et après 21 minutes, Sedan mène 1-0. L'entente Silva Gomel d'un côté et un Quarchi qui peut être en forme de l'autre. Ouais, exactement. Après, c'est. Attention avec Kousse. Kousse qui veut pas nous laisser parler. La frappe de Kousse qui va derrière. Contrée, ça revient sur Carlier. C'est bon, là, ouais. Et encore une fois, plus loin. Fadloun. Le centre rentre. Oh, la tête 2-0. Eh bien, on en parlait tout à l'heure, sa frappe a été repoussée d'extrême justesse par le gardien. Cette fois-ci, il est devant le gardien. Il trompe la sortie de Plumin et Maxence Carlier qui vient permettre à Sedan de faire le break. 2-0 après 31 minutes de jeu. Après, on a toujours la particularité de le voir un peu plus haut sur le terrain, sur un côté. Donc on verra ce que... Hop, attention, la récupération d'Amilcar Silva. Et Rava la gomme. Ça fait 3-0 pour Sedan. Ça fait 3-0 et là... C'est un but cruel, peut-être en tout cas, qui pourrait. Attention que ce corner, le but. Voilà l'honneur, voilà la réaction des Berrichons sur ce corner. C'est Mbengue, me semble. Et pendant ce temps-là, Gomel qui part à tout enjeu. On a même plus le temps. Ouh, la frappe de Gomel. Et c'est sur le poteau. On voit que. Côté château, on part en attention, ça passe pour Verdier, il y a une balle de but peut-être. Hop, et but finalement, oui, il va être validé, il va être tout rentré. Ce ballon, et bien voilà la fin de match qui va peut-être devenir totalement folle. La passe pour Mendy qui enrhume Silva, le centre derrière. Oh la tête énorme